en cas de sinistre, comment un assuré ou une victime peuvent contester une proposition d'une compagnie d'assurance. L'assuré ou éventuellement une victime peuvent contester la proposition d'une compagnie d'assurance en envoyant un courrier au service réclamation de la compagnie concernée. Ils peuvent contester l'évaluation et le chiffrage de l'expert, comme ils peuvent également contester les conclusions du médecin conseil ou encore ils peuvent contester le partage de responsabilités proposé dans le cadre d'une transaction à l'amiable par la compagnie concernée. La compagnie, à la réception de la contestation de l'intéressé, elle peut revoir son dossier et éventuellement, elle peut, s'il y a des éléments nouveaux, elle peut faire une autre proposition. Sinon, elle confirme sa proposition initiale. La deuxième possibilité, donc l'assuré ou la victime peuvent également s'adresser au service réclamation de la CAPS, la plateforme réclamation de l'autorité de contrôle. Et en dernier lieu, et c'est l'ultime recours, la victime ou l'assuré peuvent s'adresser au tribunal. Et le tribunal, il rend un jugement avant dire droit qui ordonne une expertise soit médicale, soit une expertise mécanique en fonction de la nature du sinistre. Après, il y a un jugement au fond qui est rendu, qui ordonne, donc qui alloue une indemnité à l'intéressé, lequel jugement peut être accepté comme il peut être contesté. Dans le cas de la contestation, donc l'intéressé va relever appel. Et après, en dernier recours, il y a le pourvoi en cassation. Cette émission vous a été présentée par Atlanta Sanad Assurance.